pas humain qui après moi vive. Ayez silence de mon malheur. Je suis né avec une triste infirmité, celle de toujours avoir peur. Face au moindre incident de la vie, je me désagrège, je me désunis. Ah, je suis trouillard, voire pétochard. J'ai les chopettes, les foies à la raclette. Autant qu'ils m'en souviennent, j'imagine. Ça m'a pris quand j'étais tout petit. Même si dans ma vie intra-utérine, j'ai vécu quelques jours sans souci. Je squattais le ventre de ma mère, heureux, au chaud, nourri, logé. Mais un jour, ce fut ma première misère. Mon enfance a passé, je vous dis pas mes soucis, en découvrant chaque jour les horreurs de la vie. J'avais peur de l'orage, peur des loups-garous, peur de Mireille Mathieu et de Michel Sardou. Quand j'ai eu 15 ans, comme j'étais très mignon, j'ai intéressé une copine de ma grande sœur. Viens chez moi maintenant, t'es un grand garçon. Je vais te montrer comment jouer au docteur. Elle avait acheté du nectar d'abricot et des biscuits, des rosettes de la micro. Ah, pardonnez-moi ce récit d'un érotisme fou, mais ce soir, faut vraiment que je vous dise tout. Quand tendrement elle me prit sous ses genoux, je n'avais jamais trop le moral. Mais quand elle m'a embrassé là, sur la joue, là carrément, je suis sorti de mer. Je suis arrivé au port. Après un siècle d'angoisse, en beau soir, je suis mort. Dans la file d'attente, j'avais le 357. J'avais le temps de m'emmerger, on traitait le 17. Saint-Pierre m'a demandé mon numéro d'AVS. Il a consulté mon dossier, c'était pas l'allégresse. En voulant voler les dents, j'avais pas coupé le robinet. À récupérer ni trier les déchets. J'avais bu comme un trou, fumé la moquette. Pour les petites sœurs qui guettent, y a pas grand chose qui puisse sauver votre âme. Jamais tremper et abandonner votre âme. Attaché en arbre sur la route des vacances, là ça rigole plus, faut faire pénitence. Un type comme vous mérite pas qu'on défende. Je vous envoie pour l'éternité en Suisse. Retrouver qui?
Yeah. 8. 8 fois. Retrouvez qui? Yeah. Ma maman, qui est une maman, comme toutes les mamans. Oui, mais c'est la mienne.